Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tonton Immobilier, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir devant vous, il s'agit d'une pâtisserie, c'est les délices d'Alex, donc créée par Electra061, donc l'idée origine que vous pourrez retrouver dans la description. Et allez le télécharger si vous le souhaitez. Donc je voulais un peu changer des maisons. Alors on avait une maison hantée la dernière fois. Et là je suis parti carrément dans une pâtisserie. Là j'ai vu la pâtisserie. Ouais, voilà. Je voulais faire une résidence mais j'ai... Ah, la pâtisserie semble vraiment intéressante. Donc vous pouvez la voir pour une valeur de 98 571 SIM Flows. Donc là je l'ai mis sur une dimension de 50x40 parce que j'aime bien que tout soit bien visible. Bon, il n'y a pas d'exigence par contre. Il y a juste l'exigence de la caisse enregistreur, mais il n'y a pas de caractéristique, ça c'est à vous de le faire. Donc vous pouvez voir que l'extérieur, voilà, comme je disais avec ma compagne, c'est une pâtisserie assez girly. Et vous pouvez voir donc l'ensemble. Ça a l'air vraiment pas mal, mais en tout cas ça se voit direct que c'est une pâtisserie. Hein, c'est... Moi ça me fait aussi penser un peu au... Enfin, la couleur, le mélange de couleurs au diner américain, enfin, il y a des trucs comme ça. Et du coup voilà, on peut constater donc, voilà, que c'est très joli. C'est éclairé, enfin, on voit bien que c'est très beau l'entrée avec les petites fontaines là. D'ailleurs, je sais pas si on peut les activer. Non, on peut pas les activer, ça c'est dommage, fallait un Sims. Mais vous pouvez voir que la devanture a deux portes, franchement, juste énorme. Alors, on va commencer par le bas, évidemment, comme d'habitude. Donc, on peut voir le comptoir. Alors, par contre, les employés doivent passer impérativement derrière, en fait, pour enregistrer les trucs. Ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bon, ça fait un détour après, mais voilà. Bon, après, c'est blanc. C'est très blanc, mais c'est le thème du bâtiment en hauteur avec le bas rose. Hein. De toute façon, vous pouvez retrouver donc le fauteuil. Donc, il rajoute cette couleur, ce rappel de la façade du magasin. Vous avez donc les pâtisseries qui sont là, bien exposées. Ça a l'air bien... Ça donne frais, en fait. Parce que là, il fait chaud dehors. Ça me donne envie d'y aller et ça fait frais. Frais, très, très frais. Donc là, aussi, donc... Des petits... ça, comment ils les appellent? Les étagères de présentation, de friandises. Friandises. Toilettes aussi. Donc ça, c'est bien d'intégrer des toilettes. Moi, je ne l'ai pas fait dans ma boutique de fleurs, hein, par exemple. Pas de toilettes. Mais c'est vrai que en fait, moi, j'oublie ce qu'on est dans un jeu, en fait. C'est-à-dire, pour moi, on va au commerce, on ressort. Hein, on achète, on ressort. Là, bon, au moins, ça, c'est bien une bonne idée d'y avoir pensé. Ensuite, donc... Le comptoir, vous pouvez voir que c'est pareil, il y a des étagères. Ça, c'est des sorbetières ou des trucs à pop-corn? Machine pop-corn. Donc ça, c'est tous des pop-corn. Vous pouvez retrouver aussi le présentoir dessert. La caisse enregistreuse, hein, la fameuse caisse. Donc un petit document ici pour faire genre... voilà, pour faire genre le cahier de gestion. Ou le cahier de charge. Ensuite, donc l'extérieur, ça se présente comme ça. Alors attendez, on va remettre un peu le thème comme ça, voilà. Donc, l'entrée par ici. Et on monte ce côté. On va arriver à l'étage avec une petite barrière qui est choupinou. Et en fait, ouais, donc en gros, le Sims, il peut très bien venir dormir. Alors, Loulou, là, il commence. Et donc, voilà, encore une fois, un autre lit. Donc, il y a deux chambres avec un petit bureau. Et alors ça, c'est très intéressant ce concept d'avoir mis, de pas avoir fermé en fait la chambre, mais juste d'avoir mis un demi-mur en fait. Et ça, c'est super parce qu'on n'en voit pas systématiquement beaucoup dans les constructions. Moi-même, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, les demi-murs, hein, donc voilà. Donc là, c'est voilà, petit truc assez fermé, ça fait un petit box. C'est pas mal, salon avec télé, les toilettes privées en hauteur, avec une belle vue qui donne sur l'extérieur, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment tout pour faire éclairer. Et une petite cuisine, voilà, pour vraiment se détendre si jamais la journée elle est dure ou délicate. Donc très intéressant cette pâtisserie. En tout cas, elle est très jolie. Puis dehors, regardez, il y a l'extérieur avec une petite table et un parasol. Donc si vous entendez du bruit, c'est les toutous qui s'amusent. Voilà, donc on a fait le tour. Donc l'idée origine, c'est Electra 061. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. C'est vraiment une belle construction. Donc c'est les délices d'Alex, pardon. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore. C'est vrai que je me tâte même
je veux dire, à faire une ville de New Crest vraiment animée. Et peut-être y mettre vos constructions. Qui sait? Je ne sais pas si je ferai tout, mais en tout cas, peut-être vous prendre quelques constructions si vous m'y autorisez. Donc en tout cas, vraiment agréable. N'hésitez pas, je tiens à le rappeler, à me donner votre idée origine si vous voulez que je présente vos maisons, hein, pour les abonnés ou les gens qui passeraient, que ça pourrait être intéressant. Hein, je veux dire, voilà, par exemple, ceux qui n'aiment pas la construction ou ne sont pas doués. Et du coup, bah voilà, ça leur permet de télécharger les œuvres que je peux vous présenter. Et c'est vraiment intéressant parce que là, on a une petite pâtisserie qui, franchement, qui pourrait mettre quelque chose dans votre ville. Tranquillou. Allez, sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle présentation. Et portez-vous bien, bye bye.